Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voici avec vous une carte. Donc je viens d'en faire une à l'instant, donc celle-ci. Hop, si vous regardez les vidéos, dans une carte que je vais rajouter deux trois strass avec vous. J'avais récupéré donc le dessin que je viens de vous montrer avec les fraises et ça sur une boîte de gâteaux dans les boulangeries, etc. Quand si vous prenez des pâtisseries, vous mettez ça dans une boîte, et ben il y a souvent de très très jolis dessins dessus. Donc là, c'est la deuxième partie. Il y avait ça aussi que j'ai gardé pour en faire une après. Voilà, je suis gelée. Donc j'ai choisi, pour aller avec ce dessin-là, du beige. Voilà, du cardstock que j'ai eu à Action. Je vais plus vous le dire à force. Et j'ai pris aussi une touche de vert pistache, moi j'appelle ça, hein, pour aller un peu avec le vert qui est là. Donc les mesures, c'est du 20 par 15 parce que je veux arriver à une 10 par 15. Donc je ne sais pas encore. Alors, je coupe un peu. Ça, je le mets, je le mets pas, je le mets où, je le mets comment? Comme ça, peut-être, je me trompe pas. En l'autre sens. C'est vraiment au feeling, hein. C'est vraiment du. Je sais pas, c'est sur le tas, comme on dit. Hein. Voilà. Après, je vais mettre un tampon, mais lequel? Celui-là, il va être trop grand. Voyons, je pense qu'il va être trop grand aussi. Les joyeux Noël petit, c'est pas facile, hein. Joyeux Noël, c'est trop grand aussi. Ou alors je mets pas de mots. Parfois on met pas de mots. Alors, je vais coller ça comme ça. On va dire approximativement ici. J'ai pas fait. J'ai pas ancré par contre. J'aime bien quand c'est ancré. On a peut-être dû ancrer là aussi, hein. Tant pis. Tu vas me lâcher, oui. Tu vas me lâcher. Dans les petits bouts comme ça, ne les jetez pas, ça peut toujours servir. Et j'aurais dû ancrer. Je vais faire l'intérieur aussi. Soyons fous. J'aurais dû ancrer le vert, mais tant pis, je ne l'ai pas fait. Je vais peut-être ancrer ça. Voilà. Voilà. Je parle toute seule. Hein. Enfin, je vous parle aussi, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément besoin de parler. Les images parlent d'elles-mêmes. Après, c'est juste pour vous donner une petite idée. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous auriez rajouté autre chose, si vous l'auriez fait différemment. On a tous des idées différentes. Si vous pensez aussi que ma récup, là, pour l'occasion, pour les boîtes à gâteaux, c'est intéressant ou pas. Moi, je trouve que oui, parce que niveau, niveau schéma, niveau dessin, c'est super beau. Voilà. Donc là, c'est une carte qui s'ouvre comme ceci. Pareil, je vais rien mettre à l'intérieur parce que c'est clair. Des strass. Je vais aller chercher mes strass.
Alors, si je me souviens bien, c'est des strass qui viennent de chez Action aussi. Et oui, je suis une addict à Action. Une Action addict. Grand moyen, si tu veux bien venir. Parfois, il y a la colle qui reste sur le plastique. Du coup, ça va pas. Moyen et un petit pour faire le dégradé. Voilà. Un moyen petit. Je sais pas trop si je la laisse comme ça ou quoi. Celle-là que j'avais fait juste avant, je vais mettre pareil des strass. Voilà, dans le même principe, grand, moyen, petit, voilà. Et celle-ci, donc, ce sont les deux dernières cartes que je viens de faire. Voilà, moi, je les trouve sympa. On va peut-être rajouter quelque chose. J'ai ça à côté, mais je m'en suis pas servi. Des paillettes. Non, je vais pas en mettre. Voilà, c'est tout. Donc pour mes cartes, j'espère qu'elles vous plaisent. Et puis n'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai déjà dit, à commenter. Reste là. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore de quoi. Moi, c'est au feeling. Hein. Comme là, les cartes, c'est truc à l'arrache. L'inspiration vient devant la vidéo, devant la caméra du moins. Je vous dis à bientôt. Ciao. Bisous à tous.